Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif, des jeux heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler d'un jeu épique carrément, vraiment, euh, dans l'univers intersidéral de Twilight Inscription. Vous l'avez compris, c'est Twilight Inscription, un Roll and Write épique, vraiment. Bah, c'est quasiment le meilleur jeu Roll and Write que j'ai joué pour l'instant. Il y a, qui est vraiment pas loin, je peux vous montrer un petit peu, c'est Welcome to the Moon. Qui est très très bon aussi. Mais euh, voilà, il y a beaucoup. C'est un jeu, en plus, c'est un Roland Roy que j'adore parce que on y passe assez euh, pas mal de temps, je trouve. Euh, entre une heure et une heure et quart de jeu sur ce jeu. Et on ne voit pas le temps passer. On a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser. On ne voit pas le temps passer. Et euh, la RGBT est merveilleuse. Vous allez voir ça dans la chaîne sur la vidéo. Toutes les planches sont différentes, tous les plateaux joueurs sont différents, tout ça. C'est un 4x, oui. Donc il y a quatre façons de jouer avec quatre plateaux différents. Chacun a son action possible. On lance les dés, on révèle une carte événement, on voit ce qui se passe. Alors oui, celui-là je l'ai acheté neuf. Ça coûte quand même très très cher, plus de 50 euros. Mais si vous aimez les Roll Draw, je pense qu'il faut vous le procurer parce que je pense qu'il n'y a pas mieux actuellement dans les jeux à cocher. De ce style-là, où euh, vraiment c'est. On va pas dire que c'est un jeu expert parce qu'il n'y a vraiment rien de bien compliqué, mais euh, il vaut le détour il faut absolument l'essayer. Et comme on dit souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Allez, on est parti, je derrière moi, pour euh, la vidéo de Twilight. Inspection. Et on se retrouve donc pour Twilight Inscription à Roland Wright Epic, un jeu de James Kniffen, édité par FFG dans l'univers de No Twilight. Alors au niveau du matériel, on va voir un petit peu ça euh, durant le début de la vidéo. Les différentes planches, le Megatol les différentes factions que nous avons ici aussi, les différentes cartes pour le vote, et euh, on fera évidemment une partie solo pour bien illustrer comment fonctionne le jeu. Donc j'appuierai euh, mes règles, enfin l'esprit de règles sur deux points que je trouve un petit peu important. Sur le plateau industrie au niveau des votes, comment euh, cela fonctionne et au niveau de l'affrontement quand on fait la guerre, euh, comment cela fonctionne aussi. Alors, évidemment, on peut jouer de 1 à 8 joueurs, donc nous avons déjà 8 plateaux navigation, 8 plateaux expansion, 8 plateaux industrie et 8 plateaux affrontement. Si on prend 2 euh, plateaux euh, face à, euh, ah, hop, ils sont où Face à. En fait, non, face B pardon. C'est ici. Si on prend les plateaux face B, vous voyez, ici c'est marqué ici en bas à droite 2B et 8B. Et eh ben en fait, ce sont les mêmes. En fait, on peut jouer tous les 8. Si on prend tous nos plateaux face B, et eh ben on jouera tous euh, de façon symétrique. OK Mais si on veut plus de buté, on part tous sur la face A, et là, chaque face est différente. Donc, quand on joue en solo ou qu'on joue à 2 à 3, eh bien chaque face A est différente l'une de l'autre. Donc, nous avons beaucoup, beaucoup de possibilités à jouer. Ça, c'est vraiment intéressant. Et heureusement, parce que voilà, il, co il coûte quand même plus de 50 euros ce jeu. Donc, heureusement qu'il y a une grosse rejabilité au niveau des planches. Au niveau des factions pareil nous avons une 20, 25 je crois une trentaine de factions donc là elles sont toutes différentes là aussi c'est assez intéressant euh, donc un petit peu parlons rapidement un petit peu de ces planches donc au niveau de la cette planche navigation on va pouvoir donc en fonction des dés soit revendiquer c'est on entoure euh, un cercle et on a en possession, donc on revendique euh, le bonus, soit une planète, soit des commodités ou soit autre chose soit on explore en tirant un trait orange et on avance dans le système au niveau de l'expansion, bah, vu qu'on a ce symbole euh, planète, qu'on aura récupéré en, en revendiquant ici et bien après on va pouvoir explorer cette planète en cochant euh, les différentes phases de dés et après en récupérant les bonus en fonction de la ligne et des colonnes et plus on va récupérer, plus ça va faire d'autres combos avec les autres planches. Ici, au niveau de l'industrie, bah, on va récupérer pas mal de commodités avec ces symboles euh, bleu, rose et euh, bah, jaune. Là. Et euh, à chaque fois, bon, quand on aura coché ces trois euh, symboles, et on va pouvoir faire des marchandises. Des marchandises, bah, c'est euh, un symbole supplémentaire qu'on va pouvoir faire. Et avec ça, on va pouvoir récupérer des points de victoire. Et on va pouvoir cocher un petit peu euh, cette partie rose qui nous permettra d'avoir différents votes. Parce que, à chaque euh, phase, hop, de ce côté-ci, à chaque différente phase, euh, ici en bleu, nous avons trois phases, on aura trois votes à faire, donc trois choix ici. ici voilà. donc, on va avoir par exemple l'embargo technologique, on va pouvoir soit approuver, soit rejeter, tout ça en votant. Tout ça bah, en dépensant nos différents votes qu'on aura acquis durant la partie. Et si par malheur on n'a aucun vote, enfin on n'a aucune croix de vote, eh ben, on ne pourra pas voter. Et eh ben c'est les autres qui vont voter notre place et on prendra souvent bah, l'effet néfaste. Quand on joue en solo, on prend euh, deux cartes euh, qu'on met comme ça, on prend l'orateur au milieu et c'est une face approuvée, une face rejetée, et on voit ce qui se passe. La dernière planche, c'est la planche affrontement. Vous voyez, il y a les infanteries, euh, SDP, croiseurs, cuirassés et seuil de guerre. Euh, dès qu'on coche deux bleus, bah pouf, on peut faire un SDP qu'on va pouvoir mettre en fonction ici euh, des points. Et, euh, et à un moment donné, on va tirer un trait. On va compter la partie gauche et la partie droite ici, le nombre de points qu'on aura. Et eh bah, ben, quand points, quand je parle, mais des points, c'est ce qu'il y a ici, ça SDP, ça fait 1, 2, 3 et 4 points. Et à plus on a de points, on a genre 8 points, et on va voir les adversaires s'ils si ont moins, et eh bien s'ils ont moins de 8 points, et moi j'ai plus de 8 points, et eh ben, c'est moi qui récupère le bonus. Et si je perds, et eh ben, je perds euh, le bonus, j'ai un petit, plutôt un malus. Et après, on tire le trait, et on passe, après, on fait, euh, on éteint nos, nos, euh, nos vaisseaux aux deuxième euh, parties, et ainsi, etc., etc. Et pareil, ça se joue. Euh, en quatre phases. Voilà pour ça. Et on va finir la mise en place et on va attaquer évidemment la partie solo. Alors une fois que euh, on a choisi nos planches, on va choisir nos factions. Donc ils nous disent euh, d'en prendre trois à chaque joueur. Allez hop, je prends une ici, une ici, une ici. Voilà. Tous les autres côtés. Alors, les tribus euh, Isaril. Alors, une infanterie. Déployer l'infanterie de la pénombre n'importe où, sauf... Voilà, c'est pour faire un petit, euh, une petite euh, unité euh, de guerre en plus, vous voyez, avec ce petit symbole. Ce petit symbole, on va le récupérer... Euh, bah, ça dépend des planches. Euh, par exemple, où est-ce qu'on va le trouver On va le trouver ici, voilà. Si je récupère, si j'entoure ce petit symbole, si je revendique directement ce symbole, les pointillés sont vraiment très rapprochés. Et eh bien ça veut dire que c'est immédiat. Immédiat, bah pouf, j'applique le bonus qui est ici. Et c'est-à-dire que je dois mettre un infanterie sur un parti affrontement. Voilà. Et la machination, lors du choix de votre fiche active, vous ne pouvez pas choisir votre fiche active pré précédente. Pré c'est-à-dire qu'une fois que j'ai à chaque tour, je prends celle-ci. Et si au tour suivant, je voudrais prendre la M, et eh bien là, ça ne marche pas. La deuxième faction, c'est quoi Ah, celle-ci, quand vous choisissez votre fiche active, il s'agit de la suivante à partir de votre précédente. Donc là, si je prends la navigation, la suivante fiche active sera obligatoirement expansion. Et un petit bonus, je vous dis, je pourrais dépenser des ressources indiquées sur les dés noirs sur une fiche inactive. Ça se pas mal. Donc là, chaque fois qu'on va lancer des dés, on va choisir avant ce quelle fiche on va le faire. Et eh bien là. Avec ces capacités-là, bah, des fois, je pourrais euh, cocher ailleurs. Il y a aussi une autre faction où je, fais, je peux cocher la moitié des dés sur celle-ci et l'autre moitié des dés sur l'autre. Ça, c'est vachement fort. Et cette troisième faction, accord de paix, mise en place, je peux revendiquer déjà deux votes en cochant ici. Et euh, si je perds une guerre, vous pouvez dépenser des votes pour augmenter la toile de votre force. Donc là, c'est bien. Dans un sens, c'est bien puisque j'ai augmenté ma force pour pouvoir avoir les, les bonus. Mais je vais perdre des votes. Donc quand je vais voter, eh ben, je n'aurai plus assez de votes. Euh, OK, c'est pas mal celle-ci. Euh, mais euh, entre les trois, laquelle m'intéresserait plutôt? Euh, Peut-être celle-ci sur... Non, pas celle-ci, j'ai dit. Celle-ci sur Doué. Comme ça, si j'ai ce bonus-là, je peux. Euh, alors... Ah, peut-être celle-ci quand même partie là-dessus. On va partir celle-ci. On va voir ce qui se passe. Ou, euh, je sais pas, ou je pars là-dessus sur... Là sur... Euh... Non, allez, on parle là-dessus. On part là-dessus. On verra bien. J'ai un petit peu de temps de choisir, mais bon, on part là-dessus. Je vous expliquerai euh, vraiment euh, cette carte-là après. Ok, au niveau de la mise en place, on connaît. On continue. On va faire sur euh, Mcatolrex. Donc lui, c'est l'adversaire. Quand on joue en solo, eh ben euh, c'est lui qu'on va affronter. Il a déjà une croix euh, au niveau de sa force, une croix au niveau des votes. Et ici, en fait, quand on va lancer les dés. Eh ben, on va devoir cocher. Et si on arrive, s'il si arrive sur navigation, industrie, euh, expansion et affrontement, eh ben il va récupérer les cartes objectifs. n'en ai pas encore parlé. On y vient tout de suite aux cartes objectifs qui sont ici. Alors, une navigation, expansion, affrontement, industrie. Donc, là, dans le jeu, là c'est un peu décevant parce que eh ben, nous n'avons pas beaucoup de choix. Vous voyez, je vais vous montrer. Au niveau affrontement, nous avons seulement que, que trois choix euh, d'objectifs au niveau d'affrontement. Donc, là, c'est un petit peu décevant. Euh, pareil à chaque fois pour l'autre. Et eh ben donc, on va en choisir une de chaque. Allez, c'est parti. Sur, il bah, trois, on va prendre celle-ci. Hop, je vous explique juste après. Je mets ça là-haut. Sur l'industrie, on est parti. Je prends bah, celle qu'au milieu. Tiens, hop. Expansion. On est bon aussi. Je prends celle-ci. Voilà. Et la dernière, je prends celle en dessous. Voilà. Hop là. Ok, alors, nos quatre objectifs dans la partie. Si je le finis en premier, bah, j'aurai 7 points de victoire évidemment. Je dois construire 6 unités non infanterie. Je vous rappelle que les infanteries, bah, c'est juste quand on fait un point. Donc là, je vais devoir con construire au moins 3 SDP, 3 croiseurs, ça fait 6. Ou 2 euh, croiseurs et 3 cuirasses. Donc à voir pour faire 6 euh, unités non infanterie. Ok, donc ça c'est plutôt euh, simple. Ensuite, expansion, barrer tous les icônes ressources sur 3 planètes. Donc là, ça c'est vachement dur, je ne fais jamais. Ouais, donc là, j'ai une, deux, trois, quatre planètes seulement. Donc, il faut que j'en dérevèle trois. Et il faut que je barre tous les icônes pour pouvoir récupérer neuf points de victoire. Donc, ça, c'est un peu dur. Et souvent, ça, l'expansion, je le fais quand même très rarement. Euh, L'industrie, je revendique un groupement contigu de 10 cases. Voilà, 10 cases, voilà, c'est toutes quand on les revendique, donc ça, on les entoure. Parce que dans cette industrie, on va devoir soit euh, détruire des cases. Ou les revendiquer, on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Et la dernière carte, et eh ben, il va falloir qu'on euh, revendique Megatol Rex, c'est cette planète qui est connue. Euh, donc, moi je commence d'ici, forcément, mon système natal, et il va falloir que j'aille euh, les ici revendiquer Megatol Rex en premier pour avoir 7 points de victoire. Et euh, lui aussi va le faire, forcément. Euh, voyez, pouf, s'il le fait. Eh ben, je n'aurai pas les 7 points, mais j'ai 4 points. Donc pour revendiquer, vous voyez, donc, mon chemin, euh, bah, soit je peux passer par des trous noirs, mais pour ça, il faut que j'ai le propulseur euh, gravitationnel. Donc il faut que je, je coche ça. Sinon, bah, je dois prendre tout le chemin pour arriver ici. Donc beaucoup exploré, très peu revendiqué pour rapidement revendiquer Megatorax. Ok, et euh, donc la partie euh, très intéressante de ce jeu, bah, c'est euh, tout le paquet. Un petit peu événement qui est sur euh, ma droite que je vais vous montrer ça Hop. niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 et niveau 5 et donc va falloir un petit peu mélanger on doit euh, pas me tromper voilà on doit avoir on, on commence par le 5 et la dernière carte du 5 c'est une carte bleue on les met comme ça, noir, bleu, noir. y niveau quatre. bah forcément, si je suis fini avec une noire, bah là, je repars avec une bleue. Donc j'aurais pu mettre bah, très bien la bleue là, et puis bah, celle-ci, j'aurais pu la mettre n'importe ici. Voilà. En tout cas, faut il faut qu'il y ait une bleue, noire, bleue. Hop, on remonte. 4. Au niveau 3, on j'étais avec une noire, bah, je repars avec une bleue. Ouais, je peux échanger la bleue là avec la bleue là. Pas de problème, c'est juste pour la mise en place. 3, 2, bah, c'est pareil, je suis avec une noire, donc je finis avec une bleue. Allez, hop, on laisse comme ça. Et ici, et on est bon. Voilà. Comme ça, à chaque fois, on alterne une noire, une bleue, une noire, une bleue, etc. Et euh, la fin de partie, bah, c'est qu'on arrive à la fin du paquet. Voilà, on est presque parti euh, pour vous expliquer. Je vous ai pas encore parlé de ce paquet-là. C'est des petits, bah, des petits artefacts. Voilà, Donc, ça arrive euh, j'arrive rarement à récupérer. C'est ce qu'il y a ici et eh bien c'est des petits points de victoire ou des petits bonus donc assez intéressant à récupérer mais un peu dur j'en ai pas encore parlé de ces euh, gros dés vous voyez un petit peu ici de ces gros dés j'en ai parlé on va, à chaque tour, à chaque carte, événement on va lancer tous les dés et euh, pour l'instant je n'ai le droit que d'utiliser que les dés noirs et au fur et à mesure bah, du, euh, euh, du jeu bah, je vais pouvoir récupérer soit un rose, soit un bleu, soit un vert ou les trois en fonction de tout ce que je vais cocher Ok, et eh ben c'est que parti. Donc au niveau du mode solo, j'en ai pas encore parlé, mais euh, on y vient tranquillement. Donc il y a trois niveaux de difficulté. Niveau euh, facile. Euh, hop, c'est ici. Niveau facile, aucun changement. Je vais mettre un intermédiaire parce que je trouve que c'est euh, le challenge est un peu plus intéressant. Alors, quand intermédiaire, on doit barrer l'icône la plus à gauche au niveau. Des buts. Donc là, ce qu'il y a ici, j'en prends un à chaque fois. Voilà. Je barre aussi l'icône non marqués la plus à gauche, dans la section 2 de la force. Piste force. Piste force, c'est ce qui, c'est ici. De la 2 et la 3. Je barre une en plus, 2 et 3. Voilà. Donc là, vous voyez, ça rajoute un peu plus. C'est que plus rapidement, il va avoir plus de force. Et plus rapidement, il va pouvoir récupérer les cartes objectifs, j'en ai un oublié les pistes buste et les sections de la force. Ok, et bien c'est bon, on va pouvoir attaquer la partie. Et euh, quand on joue à plusieurs, et ben euh, c'est après la même chose, sauf la seule différence quand on joue sur le plusieurs, c'est que au niveau euh, de la partie guerre, on va pas affronter euh, Megatolorex, mais on va partir, on va euh, s'imaginer qu'il y a une ligne entre les deux, et euh, je vais me combattre la ma partie droite. Avec mon joueur de droit, je vais comparer. Et ma partie gauche, je vais euh, le faire avec ma, mon joueur de gauche. On va comparer nos scores. Et puis, bah, celui qui a plus de points, il a plus de force, bah, il aura le bonus. Et l'autre, il aura euh, le malus. Tout simplement. Ok. Et ben bah, c'est parti. On attaque la partie de euh, Twilight Inscription. Ah bah tiens, on va arrêter avant tout ça. On va être sûr que notre faction on n'a rien oublié sur les universités de Jolnar. Alors quand vous choisissez votre fiche active, donc c'est effectivement, je vais lancer mes dés. Je vais prendre mes trois dés noirs, les deux de côté, mes côtés pour l'instant, et euh, à chaque fois, eh ben, je vais choisir une des quatre. Il s'agit, euh, s'il s'agit de la suivante à partir de votre précédente fiche en suivant les flèches, je pourrais euh, dépenser deux. Ou deux symboles sur des technologies. Ah oui, je n'avais pas eu la fin, c'est parfait. Ok. Si je suis bien les flèches, eh ben j'aurai euh, des petits des, des, des ressources en plus. Ok Allez, première fiche, un DAC. Alors, première expédition. Je peux choisir donc une fiche active et je peux dépenser les ressources de cette carte. Les ressources, les bas. Eh ben, on va commencer doucement, je pense, sur bah, euh, la carte navigation, forcément, puisque là, euh, je suis ici. Donc, j'ai déjà euh, trois symboles roses, OK et Symboles roses, je peux explorer un système adjacent. Donc, là, j'ai déjà euh, ici, et j'ai dit qu'il fallait comme je parte euh, rapidement euh, récupérer euh, MegaTolrex, et il euh, faut que je passe par ici, Ou je peux passer... Euh, par là, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, mais je récupère des planètes en passant. On va tenter. Allez, 1, 2 et 3. Ok, j'ai euh, exploré bah, trois portions parce que j'avais euh, trois euh, ressources. Ok. Et là il me demande de lancer mes dés donc tout de suite moi ce que je fais les trois de couleurs ils vont pour mes donc là nous avons un euh, deux bleus donc c'est ce qu'il y a ici deux bleus hop parfait il est fait donc nous avons un seul rose donc c'est ici et euh, un seul vert il est ici vous voyez donc au fur et à mesure il va augmenter donc sa force va augmenter son niveau de vote va augmenter aussi. Il va se rapprocher des différents objectifs. Donc attention, attention, il faut se méfier. Et moi, bah, je suis obligé de reprendre évidemment ma même carte, ma feuille active. Donc là, pour l'instant, bah, j'ai encore euh, deux explorations. Donc c'est parfait. Allez, on part sur ici et ici, avec ces deux dés-là. Et le troisième dé, je peux revendiquer un système. On va partir sur celui-là. Voilà, donc là, c'est des pointillés euh, assez espacés, donc je ne suis pas obligé tout de suite d'utiliser le bonus. Par contre, les pointillés euh, très rapprochés, je suis obligé d'utiliser le bonus maintenant. Donc là, je vais quand même le faire. Euh, donc je pars forcément sur cette planète, et euh, je vais choisir euh, différentes possibilités. Vous voyez, donc la planète, je peux la revendiquer. C'est là aussi, c'est là aussi, c'est là aussi. Ou je peux revendiquer un doc euh, spatial. Et si je le fais, eh ben, j'aurai accès à un dé. Voilà comment on peut récupérer des dés. Euh, en plus, donc, par rapport à euh, mes objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent déjà Exploitation du noyau. Il faut que je fasse euh, pff, euh, trois planètes. être compliqué, vraiment compliqué. Il faudrait que je prenne les trois. Allez, on va partir de celle-ci quand même. Je crois pas que c'est ici. Ok, bon, on va mettre... non, que barré, en fait. voilà. pour dire qu'on l'a. Ok, donc là, j'ai utilisé, sur le utilisé bonus. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire pour cette première manche. Vous avez vu le premier événement. Ah ça, j'espère que vous avez compris. Il y a rien de bien copié. Donc là, euh, moi, va falloir je suis un petit peu euh, la faction partir sur ma prochaine carte, l'expansion, pour récupérer, je pourrais dépenser euh, deux symboles euh, sur ces technologies. Donc c'est intéressant. Allez, c'est parti. Alors, stratégie. Écho du passé. Je peux choisir une fiche active. Donc là, en fonction de ma faction, bah, je vais choisir celle-ci. Mais on aurait pu très bien reprendre celle-ci ou n'importe quelle autre. Euh, et dépenser les ressources de ces planètes, les trois ressources-là. Après, on lancera les et on pourra encore dépenser. Euh, je pars vraiment celle-ci ou euh, je pars en fait directement là-dessus. J'ai peut-être mal assuré. J'ai peut-être dû commencer par celle-ci, puisqu'en fait l'affrontement quand même est assez important dans le jeu. Enfin tout est important, on va dire. Mais l'affrontement est quand même important parce qu'en plus je pourrais récupérer un dé bleu rapidement et euh, un symbole surdoué pour dépenser euh, des autres mains. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Non, okay, allez, on va passer comme c'est le niveau 1. Euh, je sais que l'affrontement, c'est seulement quand on est sur le niveau 2. Allez, on va partir sur. -ci. Allez, donc je peux, donc, euh, sur ma faction, euh, sur mon truc ici, je peux dépenser trois ressources, une de chaque. Alors, on va simplement, on va voir s'il y a une de chaque. Euh, bah, je vais faire une bleue. Tiens, allez, une bleue. Euh, Peut-être que c'est il est intéressant quand même. Euh, ouais, symbole là, c'est pour avoir le tueur assez. Vous voyez, si rapidement je fais cette colonne là, et ben, poum, je récupère ce symbole là, et ce symbole là, ça correspond à celui-là. Donc là, rapidement, je peux le faire. Donc je vais faire ça, je pense. Donc alors, j'ai le droit à un bleu, hop, un vert et un rose. Et un rose, là, pouf. Plus, comme j'ai une faction. Je peux faire deux verres supplémentaires car j'ai pris la suivante en fonction de mes flèches après navigation, c'était expansion. Comme j'ai suivi l'ordre, j'ai le droit à deux supplémentaires. Bah, pouf, ah, celle-ci et celle-ci, celle-ci. et bien, immédiatement, j'ai un bonus commodité, parfait. Hop, et ça correspond euh, ici. Je peux le barrer et j'ai une marchandise en plus que je vais pouvoir avoir ici. Les voilà. marchandises, et eh ben en fait bah, je peux le dépenser, c'est comme si j'avais une ressource. Donc là c'est plutôt bien. Vous voyez comment ça va fonctionner, vous allez voir c'est super sympa. Une fois que j'ai choisi ça, bah, je vais lancer mes dés. Je, moi j'avais fait tout de suite les dés de couleurs qui correspondent souvent à Mega Rex. Alors donc deux, encore deux verts, hop deux verts, deux bleus, allez et une force. Et euh, moi j'ai fait ceci, ceci, bah pompe, je tombe sur... Euh, donc c'est des bleus. Bah trop bleu. Euh, ouais, c'est bien ça. Trop bleu. Ok, donc crac, crac et crac. Ok, bah, donc j'ai aussi fait celui-là. Et aussi fait celui-là. Donc j'ai deux bonus que je vais pouvoir utiliser rapidement prochainement. Euh, je ne suis pas obligé hein, de les barrer tout de suite. Et de les utiliser. Mais moi j'aime bien le faire comme ça au moins. Euh, J'y pense. Alors, je vais prendre. Euh... Allez, j'en bas rien. Hop, que je vais utiliser pour débloquer de suite le cuirassé. Et euh, mon deuxième, à quoi il peut me servir Pour ici, pour ici. Alors, là, c'est un algorithme d'IA que cette fiche est active vous pouvez revendiquer gratuitement les cases adjacentes à au moins trois cases des oh oui allez, ça va bien ça ci hop c'est revendiqué voilà comme ça c'est bon c'est aussi dépensé ok parfait on est bon là dessus allez une nouvelle euh, carte stratégie allez stratégie bah donc on va partir sur la suivante comme ça j'aurai euh, deux bleus et deux verts. Euh... ouais ça fonctionne allez J'espère que ce n'est pas une guerre. Si déjà c'est une guerre celle-ci, je me fais avoir direct. Mais je ne pense pas. Ça n'a quand même pas de chance. Ok. Allez, donc j'ai deux bleus pour commencer sur cette carte-là. Donc alors, ici comment ça fonctionne On a en fait, vous voyez, détruit déjà euh, une case. Et moi, je peux revendiquer seulement ce qu'il y a autour d'une carte détruite. Ok. Donc là, je peux faire celle-ci, 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 celle-ci. Je ne peux pas faire celle-ci. Pour je faire celle-ci, il faudrait que je détruise par exemple celle-ci. Et je pourrais, une bah, nouvelle fois, revendiquer ce qu'il y a autour. Toujours bah, détruire des cases et revendiquer ce qu'il y a autour. C'est ce qui est marqué ici avec le rose. On peut détruire une case non marquée, adjacente à une case marquée. Et là, je peux revendiquer une case non marquée, adjacente à une case détruite. Donc c'est ce que j'ai chez deux bleus. Donc deux bleus, eh ben, on va aller aussi par rapport à ça. On va partir sur ici. Je prends un bleu ici. Donc là, je l'ai. Et aussi ici. Je revendique, euh, c'est un rouge. Fois voilà. chop un comme ça, je pourrais avoir une marchandises. Euh, ok, bah, par exemple, voyez, je vais continuer. Je vais dépenser ma marchandise pour le transformer en rose et je vais détruire celle-ci. Vous allez voir pourquoi. Ok. Ensuite, je vous rappelle qu'avec ma faction, vu que j'ai suivi l'ordre, j'ai euh, deux symboles verts. Donc deux symboles verts, je peux encore une fois revendiquer. Ben revendiquer, bah ben, tiens, comme j'ai détruit celle-ci, je peux revendiquer celle-ci. Bingo, ça me rappelle, ça me rapporte un vote. de plus. Et je veux revendiquer aussi celle-ci. Allez, bingo. celle là. Et j'ai une roi de marchandise en plus que je pourrais euh, très bien utiliser encore une fois pour détruire euh, une case. Euh... Est-ce que je vais le faire Si je détruis celle-ci, il avoir... faudrait que je revendique d'abord celle-ci. Bon, bon, on va lancer des déjà. Ok, donc je n'ai pas lancé mes dés. Je lance mes dés. Vous voyez donc c'est intéressant. Ça va être... La partie va être très longue, mais on ne va pas le temps passer. Ça fonctionne très très bien. Alors je fais comme à chaque fois. Les des couleurs pour Megatol Rex, donc deux roses, hop, un bleu, un bleu c'est ici, et euh, un vert. Donc là vous voyez euh, au niveau euh, du vote, il a déjà un vote et quatre forces, et il se rapproche petit à euh, petit des objectifs. Hop, j'ai défaut les trois là. Et on repart. Moi, j'ai droit donc à deux bleus et un rose. Donc deux bleus et un rose. Je vais faire encore. Euh, euh, je vais revendiquer celui-là. Donc là, ça c'est un bleu. Donc c'est un bleu ici. Et c'était un des bleus. Donc c'est celui-là que j'ai fait. Il me reste un bleu et un rose. Un bleu. Je peux détruire une case. Je vais détruire sûrement celle-ci. Donc ça correspond en rose et je peux revendiquer une autre. Je vais revendiquer celle-ci. Ok, donc là la rouge. Ok. C'est tout ce que je vais faire. Est-ce que je dépense ma marchandise pour choper euh, pour. Euh... Ah tiens. Ok. Je vais dépenser encore marchandise pour euh, l'utiliser euh, en des bleus pour revendiquer. Pouf. Je revendique celle-là en rouge. Celle-là en rouge. Ça correspond à ici. Et bingo, j'ai encore une marchandise. Ok. Euh... Vous voyez, pour l'objectif en plus là, industrie, je dois revendiquer euh, un groupe continu contigu de 10 cases. Et là, je suis déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, c'est chose là. C'est toujours, c'est c'est toujours. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faut que je barre celle-ci. Et faut comme ça. Ok. Ça marche. Allez, nouveau, euh, nouvelle carte. J'ai pas encore fait. On va arriver à l'affrontement. Euh, ok, parfait. Stratégie. Donc, on continue sur cette carte-là. Eh bien, c'est parfait. On y va. Stratégie. J'ai euh, deux symboles bleus. Et eh bien, on va partir tout de suite sur un comme ça. Hop, deux bleus. Et je peux construire un SDP. Un SDP. Donc après, donc je le mets en fonction euh, comme je veux pour essayer d'évidemment de, choper des bonus. Ce qu'on va essayer de faire, bah eh ben, tiens, on va récupérer de la fonction. Non, la D, c'est intéressant le D. Quand même. Allez, je fais un point, deux points, trois points, comme ça. Vous voyez, ça fait la forme du SDP. Hop, je récupérais un point de victoire à la fin. Voilà. On est bon là-dessus. Euh, on est bon là-dessus. J'ai le droit aussi, bah, je vous rappelle, euh, à deux symboles euh, verts. Euh, vert, donc c'est ici, euh, là, ou une infanterie. Euh, Est-ce que j'ai seul le coup On va déjà lancer le dé. On va déjà lancer le dé, on verra après. Est-ce qu'ils nous disent que je peux le faire quand Ils ne nous disent pas quand, mais il n'y a pas vraiment de Ok. Allez, je lance mes dés. Je fais, je sépare un peu les trois, je mets les trois de couleur. Alors, un bleu, un rose et un vert. Voilà, bon, il a déjà 5 de force. 5 de force, moi je suis pour l'instant à 1, 2, 3, 4 de force. Euh, attention, si la prochaine carte c'est guerre, eh bien, on va comparer sa force et ma force. Alors, ok. Euh... Qu'est-ce que je peux faire en J'ai quoi est-ce que je peux lancer un truc sympa Ah, je peux lancer peut-être un cuirassé. Avec ces deux symboles-là. Non, je ne peux pas le faire. Allez, une infanterie. Euh, je ne sais pas du tout quoi faire. Là j'avoue, je ne sais pas du tout quoi faire. Parce que le symbole vert, euh, c'est pas forcément utile euh, dans cette carte-là. Ah tiens, mais les verts, c'est ici. Euh, alors, pendant chaque guerre... Ajouter 3 de force si la section de cette guerre contient au moins deux unités non-infanterie. Ah ouais. Déployer deux infanteries. Chaque infanterie doit être adjacente à une autre unité et peut être déployée sous la ligne de déploiement. Ouais, ok. Ça euh, c'est m'intéresse plus quand même. 3 de force. Si la section de cette guerre contient au moins deux unités non-infanterie fois euh, Si j'échappe les deux là, au prochain tour, euh, ça c'est comme bon. Je, je vais utiliser mes deux symboles verts pour faire ça. C'est soit on fait ça, soit on fait ça pour récupérer ça. Ok, donc là deux sont utilisés. Il me reste ces trois là. Les trois là, qu'est-ce que je peux faire Des infanteries. Je vais absolument essayer de récupérer le dé. Parce que plus on a des dés, bah, plus on aura des ressources. Donc je vais rajouter euh, 1, 2, 3, 4. 4 et 3, ça ferait 7 de force. Lui 5 de force. On va voir ça va être juste quand même. Hein. On va essayer. Ah bah tiens, si je fais celui-là. Et eh ben si je fais mon troisième, je de suite. Et eh bien on va faire ça. Allez, hop. J'ai mon troisième. Comme ça, celui-là, bah, il est activé. Bingo. Comme ça, je pourrais ajouter 3 de force si euh, ma section de cette guerre au moins deux unités non infanterie. Ah oui, non infanterie. Euh, là, je vais faire que ça en plus. Là, je n'ai pas d'infanterie. Euh, J'avoue que je vais prendre marchandise pour... Euh, je vais faire ça. Ok, allez, je vais dépenser euh, un bleu. Je vais dépenser une marchandise pour faire un deuxième bleu. Et je fais un deuxième croiseur que je vais faire tout de suite. Ici. Pour être sûr d'avoir le dé bleu. Alors je pense c'est une bonne solution. Hein. ok Mais là, moi, j'ai 4 et 4-8. Donc là, je suis plutôt serein. Euh, et il me reste un symbole comme ça que je vais tout de suite utiliser pour un futur cuirassé. Ok, allez, on passe à la carte suivante. On est pas mal. On arrive production parfait, production c'est assez rapide. Vous allez voir donc là, euh, revendiquer une marchandise sur votre carte industrie pour chaque icône plus un dépensé. Donc là, j'en ai trois, donc je vais revendiquer trois. Donc là, c'est plutôt rapide un, deux et trois. Et ma ben, carte suivante stratégie stratégie, est-ce que je repars sur celle-ci ou je viens sur celle-ci pour essayer de partir à droite on va repartir sur... Euh... Ah je sais pas si ça vaut le coup. Ah, je sais pas quoi faire, c'est embêtant. Ou rapidement, je pars explorer. Allez, on... ok allez, on part là-dessus. Allez, on repart ici, j'ai le droit à 3. On continue à explorer. Allez, c'est parti. Alors, on va plus près. 1, 2 et 3. Ok euh, comme j'ai suivi encore, j'en ai deux de plus, deux verts. Et eh ben c'est parfait, j'en ai un et deux. J'arrive à Megatol Rex, il bon, faut que je puisse revendiquer. Hop, je lance, mes dés. Ah, j'ai pas de bol quand même. Vous allez voir ça, j'ai pas de bol du tout. Ok, on commence par Megatol Rex. Voilà. Euh, alors, deux roses, ok, ça c'est fait. Un vert, bah bah tiens, allez. pouf, et il vient de revendiquer Megatol Rex. Euh, moi je mets hier, voilà. hier il aura les sept points de victoire. Et il aura trois votes, mais ça ne marche pas pour lui. Euh, ça c'est bon. Et le bleu, un bleu. Vous voyez, donc là, moi je vais l'avoir aussi, et je n'aurai que quatre points de victoire et deux votes. Dommage. Ah, pas grand chose, hein. Grand chose du tout, donc là mes trois ils sont ici, euh, c'est parti. Alors, donc j'ai, euh, je vais évidemment le revendiquer aussi. Euh, Quoique, est-ce que est qu'est-ce qui, qui commence en premier C'est moi ou c'est lui Parce que Je fais toujours lui en premier, mais est-ce que euh, c'est à moi de le faire C'est là, ça je joue en fait au même tour. Alors, je sais plus, tiens, au même tour, qu'est-ce qui se passe À ah, bouger pas, tiens, on va vérifier. Euh, bah, comme je l'ai, euh, bah, je le fais au même tour que lui. Là, je peux revendiquer avec euh, ce symbole là. Bah, en fait, non, j'ai autant de points que lui. Donc, non, non. Plus, moi, Fab, va bien, j'ai les points aussi. Donc, j'aurai 7 points et 3 votes. 3 votes, je les mets ici. Voilà, c'est égalité. Quand on est égalité, on prend tous les deux les points. J'ai un petit doute, mais voilà. Ok, donc j'ai utilisé celui-ci pour revendiquer, et maintenant il me en reste encore deux pour explorer. Bon là, ça devient un peu moins intéressant. Euh, donc j'ai fait celui-là, on va essayer d'explorer de... ici. Hop, un et deux. Comme je reprends un tour, on va essayer de vraiment revendiquer le plus possible. Et c'est quoi l'objectif euh... Ah tiens, revendiquer le système Megatol Rex et les deux systèmes avantages voisins on faudrait que je fasse, je revendique celui-là et celui-là, et euh, j'aurai les points. Euh, bah c'est bon. Allez, hop, nouveau tour. Vous voyez, ça se passe vraiment bien. Euh, je prends énormément plaisir de jouer avec ce jeu. Euh, il marche très bien. Conseil. Et bah tiens, on arrive sur le conseil. On va voter euh, lors de notre phase 2 alors, revendiquer euh, un vote sur votre fiche 1 du tri pour chaque icône plus 1. Donc là, moi, j'ai deux icônes plus 1, donc je rajoute deux votes. 1 et deux. donc ça m'en fait 2, 4, 6, 7 votes possibles. Ok, et donc on va prendre les cartes vote. Ok, j'en prends une au hasard. Et donc elle a une petite étoile, donc je dois prendre une autre sans étoile. Ça marche, c'est ce que j'ai fait. Donc la première étoile. L'étoile, première carte, elle va en haut. On met comme ça. Et on met l'orateur au milieu. Et on voit ce qui se passe. Donc si j'approuve euh, ce vote-là, le joueur qui a émis le plus de votes approuvés choisit un type de commodité. Commodité, bah, tiens, je peux vous montrer là-dessus. Euh, C'est ce qu'il y a ici, ce symbole-là. Commodité. Je n'ai pas parlé de cette feuille-là, mais voilà, ça rappelle tout davantage. Et chaque joueur revendique euh, une marchandise pour chaque communauté revendiquée. Alors, chaque joueur revendique euh, une marchandise pour chaque communauté, commodité revendiquée de ce type sur sa grille industrie. Donc chaque fois que je vais revendiquer, en fonction de mes croix, si je peux en mettre. Donc là, effectivement, je peux en mettre. Vous voyez Pour revendiquer, je vous rappelle, c'est ce qui est adjacent à des cases détruites. Donc là, je peux faire celui-là, celui-là. Euh, je pourrais faire double. Je pourrais faire deux bleus et si je fais deux bleus, eh ben, je revendique deux marchandises supplémentaires. Donc, ça, c'est intéressant. J'ai tout à fait intérêt euh, à gagner ce vote. Et sur la fiche affrontement, chaque joueur barre l'avantage au-dessus de la case de force d'une guerre. Donc, là, vous voyez, euh, je barre l'avantage, c'est ici. Lorsqu'on fait la guerre, on compte les points. Avantage, désavantage. Donc, là, il faudrait que je barre, lors d'une guerre future, bah, euh, l'avantage de dessus. Donc, pff. non. Donc là, je rappelle que lui, il a 2 euh, votes, plus euh, maximum 2 votes supplémentaires s'il si lance un dévers. Donc au pied, il a 4. Donc moi, si je mets 5 euh, pour assurer le coup, c'est ce que je vais faire. Je vais barrer 5 votes. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 et j'approuve. On va lancer le dé. Donc, euh, hop, c'est un dé noir. Hop, voilà, on arrive sur... Cette forme-là, c'est bleu, donc ça lui fait un vote supplémentaire. Ça lui fait trois votes contre cinq. Et eh ben, j'approuve donc je gagne ce vote. Parfait. Donc, alors je vais choisir donc un type de communauté. Donc, c'est le ce sera le bleu, celui-là. Les deux que je vais pouvoir donc euh, revendiquer. Ah non, ah non, je vais pas revendiquer. Donc, je vais revendiquer seulement une marchandise. Pour chaque commandité déjà revendiquée. Donc, qu'est-ce que j'ai revendiqué le plus Trois euh, rouges, deux bleus. Ah non, je vais, en fait, je vais faire les rouges. Comme ça, en fait, je vais récupérer trois marchandises. Voilà. Voilà, c'est tout. Ok, bon, ça me fait gagner les marchandises. Ok, voilà. Des petits bonus supplémentaires. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'est fait pour la manche 2. Et une fois que c'est fait, on barre ici. 2 hop là et quand on va retomber sur des bleus et eh ben on attaquera pour le 3 pour lui ok pour ça on est bon et eh ben nouvelle carte Stratégie euh, stratégie donc j'étais où moi je sais plus j'étais en plus ma bah, dommage euh, j'ai fait celle ci je crois j'ai fait celle ci il faudrait que je parte là dessus euh, Faudrait que je parte là dessus mais j'ai revendiqué euh, aucune autre planète donc là il n'y a pas trop d'intérêt que j'ai là dessus euh, la guerre va arriver très rapidement, c'est sûr. La prochaine carte, c'est de la guerre. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse une guerre Lui, il a quoi Il a 5 de force. Donc là, je suis 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, le suède gauche, je l'ai. Là, il faudrait que j'aille 5 de force. Euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, compliqué, compliqué. On va, Allez, on va tenter quand même pour récupérer des bonus. Euh, ouais, on va essayer quand même. Allez. Est-ce que c'est dépensé pas pour rien euh, Non, je pense que vraiment, c'est dépensé pour rien. On va partir de celle-ci. Ah, des fois, il faut un petit peu... Ouais. Ok, alors, je peux revendiquer. Parfait, je vais revendiquer euh, bah, celle-ci, tiens. Comme ça, maintenant à chaque fois, j'aurai un des roses en plus. Super, je ferai ça pour un tour. Euh, voilà, c'est tout. Je lance mes dés. On fait euh, d'abord ceux de mes donc alors deux roses, un vert, et eh ben on passe au suivant et un bleu et eh ben, on passe. Ça c'est bon. À moi, alors donc moi j'ai euh, un bleu, un vert, un rose un chaque. Alors euh, un bleu, et eh ben ok. Mais j'ai un rose supplémentaire en plus. J'ai un rose supplémentaire. Oh, en plus c'est un double. Ouh ça c'est bon ça. L'avantage des dés hein. En euh... bon, plus, j'utilise comme ça, j'utilise, il est bon. Donc, le bleu, il faut que je barre le bleu ici. Ok, donc là, j'ai fait euh, le bleu que j'ai fait celui-là. Et moi, reste ça à faire. Ensuite, est-ce que je peux détruire un truc intéressant ou pas encore Si je détruis celui en plein milieu, là. il faut que je détruise celui-là, peut-être Je détruis celui-là. Pour voir ok alors je vais utiliser celui-là je détruis celui-là celui-ci je revendique j'utilise celui-là pour détruire craque ça me fait ici et j'utilise encore le deuxième que je vais utiliser euh... je sais pas où peut-être celui-là celui-là, ok, comme ça, au niveau de mon objectif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, et c'est 10. Euh, c'est où là 10, ok, je suis pas lent, ça marche. Eh ben, tiens, pour être sûr, pour assurer le coup, je dépense une marchandise et je vais revendiquer, eh ben, celle-ci. Bon, ça en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10. Parfait. J'ai l'objectif là. Non, pas celui-là. Plutôt celui-là. Effic efficacité. Maximum 9 points de victoire. Donc je le mets tout de suite. Objectif 9 points de victoire. Voilà. Et je le retourne. Ok, super. Est-ce que je peux continuer un petit peu pour, comme j'ai pas mal de marchandises. Peut-être récupérer un rouge, deux rouges et un bleu. Ce Serait bien de faire deux rouges et un bleu. Euh, ça va être compliqué, je crois. Sinon, faut les cramer les marchandises. Puis après, je vais en récupérer d'autres. Après, ça, c'est intéressant. Deux rouges et un bleu. Alors, je vais déjà faire un rouge là-haut. Détruire les marchandises là. Je vais faire. Oh là, j'étais parti trop loin. Désolé. Ici. Euh, ok. Donc c'est le rouge là, j'ai dit c'est fait. Le bleu, je peux le faire aussi. Bleu. Il faudrait que je fasse encore un rouge. Pour ça, il faudrait que je détruise encore. Euh, si je détruis celui-là. Allez, je dépense les marchandises. Et j'ai fait le rouge là. Voilà, je détruis encore. Et voilà, parfait. Voilà, comme ça j'ai encore une marchandise ici. Ok, voilà, j'ai bien avancé là. Je détruis. Euh... Ok, c'est bon Nouveau tour, allez, on continue Et bien évidemment, on arrive au niveau de la guerre, c'est sûr Avancer la ligne de déploiement On arrive ici, j'avance la ligne de déploiement Hop là, ok et euh, ensuite, résolver une guerre contre chaque voisin. donc là, une partie gauche, normalement, il faudrait faire avec le voisin de gauche. Et la partie de droite, 20 de droite. Ma ben, partie de droite, simple, j'ai 0 points. Donc là, j'ai forcément perdu. OK. Et la partie de gauche, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de force. Et lui, il a, euh, lui, il a 5 de force. Donc là, je barre ça évidemment aussi. Il a 5 de force. Donc là, je gagne la partie gauche ça j'aurai un dé maintenant à chaque fois en plus parfait ok c'est tout voilà et maintenant à chaque fois que je vais construire donc un petit vaisseau bah sera sa partie supérieure ok et bon continue stratégie allez on va essayer un petit peu d'accélérer les choses sur euh, la partie va durer trois euh, heures euh, mais moi voilà je vois pas le temps passer avec ce jeu c'est tip top Allez on part sur euh, la guerre. Bah, tiens, j'avais fait celui-là en plus juste avant je crois, donc je parle là-dessus, j'aurai euh, deux verts en plus. Parfait. Alors on va faire deux bleus. Crac crac. Euh, quel bonus intéressant. Celui-là est peut-être intéressant. Comme ça, je pourrais peut-être avoir celui-là. Allez, on va partir là-dessus. Euh, un, deux et trois. Et un ici. Pouf Donc là j'ai un bonus. Euh, population. Ça ramène des points de victoire à la fin. C'est ici. Oui, comme à chaque fois, j'utilise vraiment euh, très très peu euh, cette partie là. Faut que je débloque hein. faut que je débloque des si je ne pas avancer. Euh, euh, deux bleus, c'est bon, c'est fait. Ok, on est bon. Allez, je lance mes dés. On fait comme à chaque fois, méga en premier. Allez, un bleu, euh, un rose et un vert, un vert. Oh, bien bah, déjà, l'affrontement il l'a fini. Et euh, j'ai dit quoi? Un rose. Donc l'affrontement pour lui est fini. Et ben voilà. Il aura les 7 points de victoire. tout que moi je pas plutôt. Lui, du tout. Moi je n'aurais 4 points. Euh, j'en suis où tiens justement. J'en ai fait que 3. faut que j'en fasse 6. Hop. Et ben je fais les trois bien par contre. Hop là, je pars. Reviens ici. Et j'ai un bleu en plus. Ok, alors, euh, qu'est-ce que je peux faire moi pas bah, un, par des... Euh... Ah, non, bah tiens, parfait, je vais faire un croiseur. Allez hop, j'ai trois roses. Pouf, un point de victoire. Les trois roses, ça correspond aux trois là. Euh, je vais le faire encore ici, je crois. 1, 2, 3, 4. Et la 4 points. Si je fais ça, 1, 2, et 3, je me fais un croiseur, ça fait 4, 7 7. Mais j'aurai 3 de force supplémentaire car mes deux unités ne sont pas du tout d'infanterie. Donc la partie là, je suis peinard. Et euh, ici, je vais utiliser quoi euh... Là, je n'ai pas le choix, une infanterie. C'est sinon. Et euh, comme j'ai fait la suivante, j'ai aussi mon petit bonus ici. De deux verres, euh, deux verres, c'est bah, deux infanteries aussi. Alors, je vais mettre là et là pour récupérer les points de victoire. Ça me fait trois de force pour l'instant. Ok. Allez, bah, nouveau tour. On est bon. Conseil et on est parti. On revendique conseil. Alors, au niveau des croix supplémentaires, j'ai une, deux, trois. J'ai trois de vote. Un, deux et trois. Ok. Lui, au niveau de son vote et eh bien, il a 3 de votes aussi, pas plus. Enfin, 3, genre, euh, euh, jusqu'à 5. Et donc, moi, j'ai quand une carte 1, 2, 3, 4, 5. Ah euh, On prend niveau 3, on mélange. On part sur celle-ci. Donc, c'est une étoilée. Et contre une non-étoilée. Et on est parti. Sur la fiche industrie, chaque joueur peut détruire deux cases ou revendiquer une case. Là où les cases doivent contenir une commodité. Euh, D'accord, ok, ouais. Et sur sa fiche expansion, chaque joueur barre 4 avantages non revendiqués. Euh, ouais, 4 avantages, c'est comme ballon. Hein. On va essayer de gagner aussi. On va essayer de gagner aussi. Donc, pour ça, bah encore une fois, bah je vais rester sur mon 5 et je vais dépenser mes 5 votes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça me fait encore 5 à approuver. Donc, lui, il a actuellement, je vous ai dit 3. Chance un des noirs. 3 plus ce symbole là. Ça le fait 4 votes. et bien je le gagne. Parfait, je le gagne. Il a prouvé Donc sur ma fiche industrie, je vais pouvoir détruire deux cases ou revendiquer une case. Je vais détruire quoi Est-ce que je revendique ou je détruis En fonction de ça. Euh, on va revendiquer quand même. Une commodité, commodité, donc c'est une case ici, une bleue et une comme ça. Voilà, on est bon. Ok, bon, allez, c'est toujours ça de prix. Donc, le niveau 2, il est fait aussi. Le niveau 3, c'était pardon. Le vote 3, on n'y un peu que le vote 4. Allez, nouvelle tour. Je pense n'est pas loin du milieu. Euh... Explorer encore une fois, ça m'intéresse pas. Je vais encore faire la guerre. Allez, c'est parti. J'ai trois roses. On va accélérer un peu. On va faire des croiseurs. un trois croiseurs. Un croiseur qu'on va mettre ici. Une, deux et trois. Pouf, ça fait trois, quatre, cinq, six de force. Lui actuellement, il a quatre de force. Donc c'est intéressant. Euh, je lance les dés. On fait évidemment, comme à chaque fois, les trois couleurs. Hop, on accélère. Ah, il a cinq de force maintenant. Ici, eh ben, euh, quand les verts sont faits, on part sur un double. Il part sur un double. Et le bleu, le bleu, on part sur le dernier vote. Ça marche à moi. Alors, à moi, j'ai quoi euh, J'ai un bleu et deux roses. Un bleu et deux roses. Euh, deux roses, d'accord Et un bleu, bah, ça va être un. Euh, comme ça. Ça me fait 3 et 3, 6, 7, 7 de force, 8 à 5 de force, poisson je gagne. Ok, allez, hop Parfait, guerre, on est bon, tain, tain. allez, guerre. On revendique. Tiens la ligne. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 plus 3. Ça fait 10 de force. 10 de force. 8 à 5. Donc je gagne ce symbole-là. Euh, ce symbole-là, il va me servir pour, euh, pour ça. J'en ai, ai un comme ça que je vais utiliser maintenant. Tu faisais maintenant parce que sinon je vais oublier à chaque fois, c'est souvent je me fais ça me fait avoir 1, 2, 3, voilà comme ça il utilisé. Il est utilisé, et ici j'ai 3 et 3, 6 et 7 de force. Lui, il a euh, 5 de force, donc je gagne aussi. Et je gagne. Hop, et je vais évidemment déclencher la plus grosse, voilà, celle-ci. On est bon. Parfait, j'ai gagné. Euh... C'est tout bon. Bon, ça se peut que j'ai oublié, oublié le dé, dé bleu. Ça c'est sûr, cette partie-là. Le dé bleu, souvent, j'utilise. Stratégie. Stratégie, donc j'ai fait celui-là, bah, j'ai parti là-dessus. Euh, pff, ouais, on va encore explorer. Oh, ça m'énerve un petit peu celui-là. Je vais vous montrer un petit peu celui-là. Euh... Euh, non, allez, on va partir là-dessus. On parle là-dessus. Bon, je ne sais pas si c'est bien. Euh, on va faire un petit peu de celui-là. Allez, euh, stratégie. On va faire celui-là. Bon, Crac, on fait ça. Je lance mes dés. On fait d'abord... Les trois des Megatolrex, euh, un bleu, un rose et un vert. Vert, c'est ici. Et un, je dis, vois, un rose ici. La guerre, effectivement, il est là. Il est bien. Les miens, miens j'ai quoi J'en ai que trois sur celui-là. J'en ai que trois. Alors, j'ai bah, trois roses. Bon, comme ça, c'est. Non, plus, j'ai fait là, c'était pas ici, le vert. C'était Hop là, ça bouge un peu partout. Le vert, je vais plutôt prendre bah, celui-là. Et j'ai le droit à trois roses. C'est bien ça. Allez, 1, 2, 3. Allez, je dépense une marchandise pour vous montrer un petit peu. Crac pour faire un bleu. Et j'aurai un petit bonus famille tout de suite. Bon, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de faire ça. Mais c'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les bonus. Ok. C'est tout pour celui-là. Allez hop, on passe. Euh, production, parfait. Production, je vous ai dit, bah c'est. Euh, j'ai 4 de marchandises. Allez hop, 1, 2, 3 et 4. Parce que j'ai 4 ici. Il manque le rouge pour avoir une cinquième marchandise. Hop là. Stratégie, stratégie. Euh, J'étais là-dessus. Peut-être partir sur celui-là encore pour essayer de récupérer à mort des trucs. Alors. Comme j'ai fait celle-ci, j'aurai trois verts. Trois verts actuellement, je peux revendiquer trois cases. Déjà, j'ai pas pris les bonus, des points de victoire pour après. Donc j'ai trois verts, je disais trois verts. Ah, je peux faire cette... Voilà, mais j'ai complètement oublié de faire ça. Oh le boulet. Tant que cette fiche est active, vous pouvez revendiquer gratuitement les cases adjacentes. En moins trois cases Voilà. Tant pis, tant pis, tant pis, et j'ai le droit en plus aux rose. Ok, donc là en tout cas, j'ai le droit à euh, trois verts. Euh, trois verts. Sauf qu'en vidéo, c'est un peu... Je ne pense pas forcément à tout, j'essaie assez vite. Donc c'est sûr que je zappe un peu des Mais au moins, vous voyez le principe. Euh, comment ça fonctionne. Alors, je peux revendiquer pas mal de choses, j'ai dit. Est-ce que je peux revendiquer trois trucs euh... Je vais dépenser bon, d'abord une marchandise plutôt ah, pour tu pour détruire un truc, parce que sinon je vais m'en sortir. Je vais détruire ça. Et là je revendique. Un. Ok. Oui, je ne suis pas sûr que c'est ce que je voulais faire. Maintenant, euh, bah ce n'est pas ce que je voulais faire. Il faut du rouge. Je... Marchandise deuxième. Deuxième, voilà, ça c'est bon. Et... Et troisième. Ah voilà, parfait. Croc. Voilà, j'ai revendiqué mes trois trucs et j'ai euh, ma faction. Pouf. Sur Alors dépenser les ressources indiquées sur les dés noirs sur une fiche sur une fiche inactive. Je peux d'abord les lancer évidemment. Allez, je pourrais dépenser des dés noirs sur une fiche inactive. Alors on va déjà faire Megatol Rex déjà. Deux bleus. Allez, deux bleus, un rose, un rose. C'est ici. Ouais. Et, euh, et un verre un vert mais il y a pu c'est ici ok donc moi j'ai quoi j'ai déjà mes trois noirs plus mon rose plus euh, mon truc surdoué qui sera mes trois noirs sur une autre feuille sur une autre peut-être pour revendiquer ouais euh, c'est pas terrible peut-être partir là dessus euh, peut-être partir là dessus ouais. ou celle-ci J'en sais rien. <laughs> J'en sais rien et tout. Ok, partons déjà pour euh, revendiquer, détruire. Que, alors je peux faire quoi Je peux faire deux destructions et deux revendications. Euh, deux destructions. Je veux dire revendiquer une fois pour avoir un vote supplémentaire, enfin des points de victoire, voilà. Et là, il faudrait que je, je détruise. Donc j'ai revendiqué un. revendiqué, c'est ça que j'ai fait. Je vais détruire un. Je vais détruire celui-là. Et je peux revendiquer euh, un bleu et un rouge. Un bleu et un rouge. Ça me fait oh, parfait. Deux marchandises en plus. J'ai pas vu. Hop là, marchandises, c'est bon. Euh, on est bon. Et je peux dépenser mes trois noirs, évidemment, grâce à une petite faction. Alors, sur quoi je vais le faire Sur quoi je vais le faire euh, Sur quoi je vais le faire j'ai le droit à quoi alors ah, Je vais partir sur la guerre. Sur la guerre pour avoir un dé en plus. Euh, partir à droite. Alors, je peux faire quoi Ah bah ben, un cuirassé, tient parfait. Avec un rose et un vert. Un rose et un vert, ça me fera deux points de victoire. Et je vais le mettre ici, mon cuirassé. Euh... Et je m'en deux. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il faudrait j'en encore un de chaque pour avoir... Euh, est sûr de gagner quasiment Et euh, donc mon dernier dé, c'est un bleu. Un bleu, bah, on va mettre ici pour être, assurer peut-être le dé. Assurer peut ah tiens, voilà. Ok, on est bon. À nouvelle carte, production, parfait, production, on est bon. Allez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, super. 1, 2, 3, 4. 5, 6, c'est pas mal. On avance. Stratégie, stratégie. Je fais la guerre. Ça rapportera pas mal de trucs. Allez, je fais celui-là. 1, 2 et 3. Pouf Je vais mettre un croiseur ici. Allez hop Voilà, ça c'est bon. Euh, J'en suis au niveau de. Euh, alors, au niveau de l'affrontement. Est-ce que j'ai ça y est, construit? Est-ce que j'ai construit une, deux, trois, 4, 5, six? On est bon. Ok, quatre points de victoire au niveau de ma fiche objectif, c'est réalisé. ça c'est bon. Je lance mes dés et j'ai le droit à un bleu, hein, je rappelle. Avec. Alors au niveau de Megatorex, deux bleus. On est parti, deux bleus, deux roses. Ok euh, et un vert, un vert. Et eh ben pouf, expansion et la fini aussi. Expansion. Ok, tant pis. Enfin, il m'empêche d'avoir 9 points, plutôt. À moi. Je prends mes 3 noirs plus, j'ai dit, mon bleu. Alors, qu'est-ce que je peux faire Donc là, j'ai quand même déjà euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, il a 5 de force, pour l'instant. Euh, C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Euh, moi, j'ai 2 bleus. Je vais faire quoi avec 2 bleus hein, Pas grand-chose hein parce que je ne l'ai pas encore celui-là. Il faut je choper ici là. Il faut que je gagne celui-là pour le prochain tour faire ça. J'ai. Ouais, je vais dépenser marchandises. Je dépense marchandise pour celui-là. Et j'utilise encore un... Ah non, j'ai pas. Ah non, j'ai que des bulles. là. Oh bah tant pis. Ça sert à rien ce que j'ai fait. Bah bon, ouais, je dépense un verre quand même. Et euh, donc il me reste un verre. Et 3 bleus, 3 bleus c'est des infanteries. On va faire des infanteries. Allez, euh, ici, un infanterie 2 et 3. Voilà, ça me fait 1, 4 et 3, 7. Poisson, je gagne de chaque côté. Ok, allez hop, la guerre, j'imagine. Eh oui, évidemment, guerre, on tire le trait. Oh, on tire le trait. Donc, lui, là, il a 5 euh, de force. Je vais barrer. 5 de force, c'est parfait. Donc là, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je gagne le bonus. Et là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euh, 9, 9, 9 plus mes 3 ici. Ouais, je suis largement. Donc j'ai 11, 12. Je gagne un des roses aussi. Et le bonus, donc ça m'ouvre mon seuil de guerre. Ok. Allez, nouveau tour. Euh, stratégie. Oh bah hop, revendiquer. On va revendiquer tout de suite ici et ici. sur à droite et sur à gauche. Ah non, je ne sais pas. J'ai pas tiré le trait. Ah, le boulet. J'étais trop vite. Voilà. Ah Donc je revendique celui-là. Et bah tiens, je vais revendiquer celui-là. Là hop là. Donc là, j'ai deux points de victoire. Et je vais tirer et piocher une petite carte. On n'a pas vu ça. Hop là! Le 5 Greton a joué immédiatement sur la fiche industrie. Revendiquez 3 cases de votre choix ou détruisez 5 d'autres cases. Donc j'aurai 3 points de victoire en plus. Toujours intéressante, hein, ces petites cartes artefacts. 3 points de victoire. Et donc je revendique 3 ou je détruis 5. Euh, Est-ce que je peux en euh, dire Je ne suis même pas sûr. Donc je vais en détruire en détruire 5 allez on va détruire 5 on va détruire euh, celle ci une deux trois tout ce que je peux faire 4 et 5. Ok. C'est fait. Allez, nouveau tour. Et eh bien le conseil, voilà, on arrive au conseil. Allez, conseil, je compte mes 1, 2, 3, 4. 4 en plus. Ah, j'ai plus grand chose. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai que 4 votes. Et lui, combien il a de votes Ah lui, il a 5 euh, votes. Donc là, j'ai pas dit direct. J'ai perdu d'office. Il a déjà 5 votes. Donc je vais forcément perdre ce vote. à niveau 4, je prends quoi Je prends celui-là. Donc là, j'ai une étoile. Je prends donc l'autre 100 étoiles. C'est parfait, c'est celle-ci. Approuvé, désapprouvé, rejeté. Alors, bah, je peux lire que rejeté parce que c'est ce que je vais avoir. Sur la fiche navigation, chaque joueur barre 6 systèmes non revendiqués. Chacun doit, si possible, choisir des systèmes explorés. Ok, je barre euh, six systèmes parce que j'ai perdu direct. C'est pas la peine que je fasse le vote. Euh, je vous rappelle que lui, il est à 5 de vote. Mon oh, stylo, il a 5 de vote. et moi, j'ai que quatre croix, enfin quatre croix possibles. Donc je perdrai, je vais perdre forcément. Donc je vais revendre, je vais barrer six systèmes non revendiqués mais explorés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur faut que je le fasse. Je ne sais plus à quoi ça correspond, tiens, j'ai un doute sur cela. Ah, euh, gagner une force pour la guerre suivante. Bon, ce n'est pas nécessaire, en fait. Euh, ouais, ok, voilà. c'est Pour le niveau, en tout cas, des votes, bah, c'est terminé. On va arriver sur la partie 5. La partie 5, la fin se rapproche. Je vous rassure. J'espère vraiment que le jeu vous plaît énormément. Il est coûte cher, je vous rappelle. Mais euh, il est très, très bon. Voyons, je pense, si vous me suivez un petit peu, on n'a pas vu le temps passer. Et ça, c'est fort agréable dans un jeu. Ok, stratégie. Stratégie, on va faire ça. On va faire celui-là. Allez, 1, 2, faire le max de le plus possible qu'on peut récupérer des points je vais dépenser allez une ressource pour ici pour avoir ce symbole là pour avoir ce un SDP en plus que je mette ici hop ça fait un point de victoire supplémentaire ici ok je peux dépenser encore allez un autre euh, marchandise j'ai encore trois de au moins trois disponibles je vais essayer de faire des marchandises à fond le vote s'en fout. Celui-là, c'est pourquoi déjà celui-là C'est pour... Euh, fou, non, euh, s'en fout aussi. Deux infanteries, on s'en fiche. Peut-être avoir ça. Allez, 1, 2, 3. Marchandises supplémentaires. Une, deux et 3 J'ai... Hop là, crac. Comme ça, je ferai en même temps ici pour récupérer. Euh, non, c je suis ici, je ferai ici en même temps. Allez, c'est parti, on lance les dé la fin se rapproche. Euh, la fin se rapproche. Alors, on fait de suite, évidemment, comme à chaque fois, Megatolrex, du bleu. Allez, hop, l'Expanse, l'Industrie aussi me le pique. Industrie, eh ben, je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait, tant mieux. Euh, le rose, la Navigation, il me le pique aussi. Navigation, je ne l'avais pas fait. Je vais que 4 points si j'y arrive. Et le vert, il continue. Alors, moi, donc, je suis ici, j'ai déjà mes trois noirs plus mes deux verts parce que j'ai fait la suivante donc alors mes deux verts tiens tout de suite euh, j'ai deux roses j'ai deux bleus à faire deux bleus un rose ça me fait celui-là euh... bon tant pis j'ai celui-là euh, ok et j'ai en plus j'ai pas un dé j'ai pas de dé en plus ouais, est ce que je peux pas faire une marchandise en plus je vais faire une marchandise en plus crac pour faire encore un point de victoire ici, choper le point de victoire à fond, euh, c'est fait, c'est parfait, c'est parfait. Marchandise en plus, si je les laisse ouvert, j'ai des points de victoire quand même, ça fait trois points de victoire en plus. Ok, je m'arrête là, je m'arrête là, et euh, comme j'ai surdoué, je peux basculer ici et prendre mes dés noirs. Sur ma fiche inactive, alors j'ai quoi J'ai deux bleus. Allez, bah, tiens, deux bleus. On va faire cela. Deux bleus et un rose. On va essayer de mettre un seul un soleil de guerre euh, sur ici pour avoir des points de victoire. Allez, hop, nouvelle fiche. Euh, attends, bah, j'ai... J'ai un dit. Guerre Ah bah tiens, je vais pas pouvoir aller bien loin. Oh, bah j'ai perdu mes guerres. Euh... Et C'est la fin de partie, et c'est la fin de partie, c'est vrai. On arrive le trône à prendre, c'est la fin de partie. Euh, on y arrive. Il faut que je fasse la guerre et je compte le point final. Bah, c'est fini. Ok, bon, là je vais pas trop réussir. J'ai 1, 2, 3, 4 points. 4 points. Lui, il a ah bah, 4 points aussi. Tiens, 4 points aussi. Euh, quand c'est comme ça, je ne sais plus. Si c'est match nul, euh, qu'est-ce qu'ils disent Je ne sais plus du tout. J'ai un doute. Eh ben, c'est, il a été. Donc ça fait que ben, si je prends les points quand même. Donc je prends les points pour ici. Hop. Par contre ici, ben, j'ai zéro. Je prends moins ça. Ok, on va faire le récap. Euh, donc des points un petit peu partout. Et on va voir ce qui se passe. Alors, donc là, j'ai pas réussi à voir l'objectif sur la navigation. Dommage. Ok, c'était compliqué. À chaque fois, j'arrive jamais de toute façon ici. J'arrive jamais à faire des points. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme point J'ai rien du tout comme point. J'ai rien du tout. Ah, si j'ai deux points. J'ai cinq points. Bravo, génial. J'ai cinq points. Ok, super. <laughs> cinq points ici. Ici aussi, je n'ai pas beaucoup de points, je parie. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points. Euh, 6 points. Est-ce que l'expansion, je devais le faire bah, Ce n'est pas possible. Je vous rappelle, l'objectif, il fallait détruire tous les icônes de 3 planètes. Je vois pourquoi. Navigation et expansion, je n'y arrive jamais. Par contre, ici. Ici, on est pas mal. Alors, au niveau des points, j'ai... Euh, bah, Celui-là, j'ai aussi forcément... Hop. Ok, oh, pas grand chose aussi, cette partie-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 points. Euh, 9 points, parce que voilà, 2 marchandises ça fait un point de victoire. Il me reste 6 noms ouverts. Ah bah tiens, j'avais celui-là aussi, qui finit. 9, 10, 11, 12. 12. 12, ce qui fait 21. Ok, et ici et ici, euh, j'ai 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8, 9, 10, 10 points, 11, 12, 13, 14, 15, 15 points, euh, 15 points, 14 points, 14 points, je crois que j'ai rien oublié, 14 points. Ça fait 18. Je pense que j'ai rien oublié. Euh, c'est pas ouf, hein. je trouve que c'est assez dur. Euh, mes deux objectifs, là, j'aurais dû les faire rapidement, ou aussi marquer des points rapidement. Bon, voilà. Bref, euh, comment ça me fait de points en tout Ça fait 11, 11, 29, 29, euh, 29 50, 50 points. 50 points. J'arrive tout juste à 50 points. Eh bien, je suis en intermédiaire. Je suis en défaite intermédiaire défaite puisqu'il faut au moins 60 points donc là je suis en défaite intermédiaire euh, c'est pas grave euh, j'aurais peut-être dû faire plus de points ici voilà peut-être récupérer il manque 10 points euh, peut-être pu choper celle-ci celle-ci qui était de 6 ouais Arrêtez de sniper ah mais non j'ai pas mis 7 points en plus et si j'ai mes 7 points, je suis à 57 points. Et oui. 50 plus mes 7. Je suis à 57. Ah oui. 50 plus mes 7. Je suis à 57 points. Donc là, je suis à 3 points de la victoire. Voilà, j'aurais fait, voilà, 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 enfin, euh, ouais, fait juste celui-là. Juste celui-là en façon de parler. J'aurais fait juste celui-là. J'aurais pu être à 60 points. Donc là, il ne manque vraiment pas grand chose. Il ne manque pas grand chose. Ou est-ce que j'aurais pu peut-être faire mieux encore ah bah, j'aurais dû faire, voilà. J'aurais même pu finir celui-là et j'aurais pu avoir 4 points. Peut-être que dans la partie, j'ai raté un ou deux dés. Peut-être que j'aurais pu avoir les 60 points. Voilà, en tout cas, vous avez vu une partie complète de Twilight Inscription. Euh, vraiment euh, ce jeu de Roll and White épique que j'adore. Euh, la, la journée, enfin la, la partie s'est très bien déroulée. On a passé, en tout cas, moi j'ai passé un agréable moment. En votre compagnie, j'espère vous aussi. Euh, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bonjour à tous.